à tous, bienvenue pour cette nouvelle interview. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Vanessa. Bonjour Bonjour, Vanessa. bonjour Anthony. Alors aujourd'hui, on va faire une interview concept comme d'habitude. Et le concept d'aujourd'hui, ça va être le zèbre. Vous l'avez vu, il était déjà ici. Et donc, on va faire une interview à rayures. Et je vais te laisser découvrir les questions qui sont dans ce petit livre de questions. Le D'accord, zèbre. Tu veux allons-y. nous parler des zèbres? Allons-y. Alors, c'est quoi un zèbre? Alors, un zèbre, c'est un concept que j'ai découvert l'année dernière. Grâce à des gens, en fait, des rencontres inspirantes comme ça, et des gens parlaient de différents thèmes, et notamment c'est ressorti du coup ce mot de zèbre. Et donc un zèbre, qu'est-ce que c'est en fait? Parce qu'on parle souvent d'adultes ou d'enfants surdoués, au potentiel, voilà, donc finalement c'est regroupé sous ce terme de zèbre, et moi ça me plaît plus parce que voilà, j'aime pas le terme surdoué, j'aime pas les tests, j'aime pas les étiquettes en fait comme ça. Donc zèbre, voilà, c'est une étiquette qui me paraît pas une grosse étiquette. Enfin Ouais, voilà, c'est quelque chose qui, c'est un concept, mais ça fait moins peur que surdoué, oui, effectivement, voilà, potentiel. c'est alors bon, après les gens comprennent pas forcément, hein, parce que c'est vrai qu'on peut des fois dire oui, je suis un adulte zèbre. Voilà, ça peut être difficile à dire, les gens ne me connaissent pas forcément, mais voilà, ça marque une différence, et parce que les zèbres sont tous différents, ils ont tous des rayures. Il n'y a Ah, c'est aucun pour zèbre qui a... ça, Oui, ok, voilà, c'est pour ça qu'on disait bon. c'est l'animal qui n'a pas été domestiqué, enfin qui est un petit peu Ok. différent finalement, mais qui vit aussi en groupe. Enfin, ils aiment bien se retrouver. Et il y a vraiment une histoire par rapport aux rayures. Ouais. Chaque D'accord. zèbre a des rayures très, enfin, différentes. Ok. Donc voilà. D'accord. C'est ça un zèbre. Ouais, c'est ça un zèbre, et puis c'est des caractéristiques après, voilà, d'un adulte, enfin d'un mode de fonctionnement différent en arborescence. Donc plein d'idées, plein de projets, Ok, ouais. plein de passions, voilà. Du coup, on peut avoir du mal à se situer, et finalement, quand on découvre ce concept de zèbre, on se dit, mais en fait, non, c'est pas un problème, c'est normal. Voilà, je suis différent, mais alors il paraît qu'il n'y a que 2,3% de la population. Un zèbre. Ouais, je sais pas, moi je... Mais il se retrouve, non, quand même. Mais J'ai j'ai l'impression. l'impression, parce que moi j'ai l'impression d'en connaître énormément en fait, donc il y a beaucoup de zèbres qui s'ignorent. Ah ouais. Donc, Alors, justement, donc magnifique transition, voilà, deuxième question. comment Comment toi, as-tu tu as découvert que tu étais découvert? zèbre? Alors, t'en as un Voilà. petit peu parlé, mais. Oui, c'est vraiment par rapport à des gens en fait qui partageaient des choses, et notamment un TED en particulier. Donc, TED, c'est quoi un TED? c'est une conférence C'est qui ça. dure C'est pas quelqu'un qui 15, s'appelle TED, hein. non, C'est non, oui, c'est bon, vrai, juste pour préciser. voilà, oui, une Ok. conférence donc qu'on Un peut TED trouver Talk, en ligne. ouais. Donc, le TED d'Emily Ouais. sur la multipotentialité. Donc, c'est un TED en anglais, mais je crois qu'il est sous-titré. Donc, Ouais, voilà, on peut sûrement, le, ouais. oui, bah, sûrement. Et en fait, elle dit que on n'a pas forcément qu'une seule passion, qu'un seul métier, qu'on peut voilà, faire le lien entre plein de choses. Et ça a vraiment été un soulagement de découvrir ça. Parce que, voilà, je pense qu'une des caractéristiques des zèbres, c'est de se sentir en décalage, en fait, par rapport aux autres. Voilà, on peut avoir tout ce qu'il faut dans sa vie, mais il y a toujours un peu un manque, quelque chose, et surtout un grand décalage, oui, avec les autres, par notre mode de fonctionnement qui est différent. Ok, ouais. Voilà, mais c'est pas du tout un défaut, et c'est même une grande force quand on en prend conscience et que on arrive après à l'utiliser. Ouais, c'est ça, qu'on Voilà, l'accepte et qu'on qu'on le l'accepte, fait oui. avec. Voilà, D'accord, ok. et il y en a beaucoup qui s'ignorent, et il y a d'ailleurs des livres, c'est même trop intelligent pour être heureux, Oui. ou enfin voilà, parce qu'on parle beaucoup finalement du mal-être de l'adulte surdoué, au potentiel, tout ça. Donc voilà, il y a les enfants, mais finalement il y a les adultes qui s'ignorent pendant longtemps. Et voilà. Autre question, comment Alors. l'as-tu vécu? Ben, comme je disais, vraiment un soulagement, alors un grand choc. Parce que vraiment ça nous parle, hein. Je pense que, et plusieurs personnes, parce qu'après j'ai diffusé un petit peu ce TED aussi des fois à des gens, quand on peut sentir que voilà, ils se cherchent, ils ont quelque chose, je sais pas, ou un mal-être et tout, des fois je leur dis, bah écoute, regarde ce TED, ça va te parler, et il y a des gens après qui sont revenus vers moi et qui m'ont dit, mais oui, merci, ça a été une révélation. Donc voilà, c'est un choc, après c'est une révélation. Ok. Donc par rapport à l'entourage, c'est pas forcément simple.
à assumer. T'en as parlé, toi? Enfin, quand t'as découvert ça, tu l'as dit, voilà, je suis Non, zèbre. j'ai mis beaucoup de temps avant de pouvoir le dire Ouais. parce que déjà, voilà, de l'assumer, de se le dire à soi-même et d'en parler, non, finalement, ça se fait petit à petit. Voilà, maintenant, je l'assume totalement. Je me caractérise comme ça parce que c'est vrai que j'avais du mal, tu sais, des fois, on doit se présenter ou même sur Facebook, on marque une petite phrase Ouais, tu dois qui. dire qui tu es, ce que tu Voilà. fais, mais quand t'es Mais zèbre, c'est ça. Et c'est en compliqué de fait, répondre à ça. voilà, moi, depuis longtemps, j'écris, je ne rentre pas dans une case. Enfin, ceci est une case et je ne rentre pas Ah, dedans, pas mal. mais tout est possible parce que c'est vraiment ma philosophie. Ouais. Et voilà, maintenant, j'ai tendance des fois à me dire, oui, voilà, je suis entrepreneur, idéaliste, rêveuse et un peu zébrée. Voilà, je. C'est facile ça d'assumer, de dire Ouais. rêveuse notamment. Oui, Parce bah en même que temps, en voilà, général, j'ai des rêves dans le et monde du travail, c'est oui, pas forcément très bien vu. peut-être, voilà, mais j'assume totalement. Je suis idéaliste, je suis rêveuse, oui, voilà, dans le monde des bisounours, parce que Ouais. les gens pensent souvent après au monde Oui, des bisounours, ouais. Ouais. c'est pas du tout ça. C'est vraiment une manière de voir la vie différemment. Enfin, c'est parce que voilà, on n'est pas du tout dans le monde des bisounours, on peut traverser des épreuves. Je pense que j'en ai traversé pas mal aussi. Et voilà, mais c'est juste une manière de rebondir et de voir les choses. Ok. Voilà, donc Allez. je l'assume de plus en plus et les gens verront cette vidéo et Et peut-être peut-être que la certains prendront. vont découvrir et assumer. Eh bien écoute, si certains voilà, découvrent ça et vont voir le TED, ça peut être bien de mettre le lien Ouais. peut-être, Oui, je le parce ferai. que vraiment à découvrir. Ok. Donc voilà. Question suivante. Alors, quelle incidence sur ton parcours professionnel? Alors, l'incidence, en fait, c'est sur le parcours professionnel et sur la vie en général. Ouais. J'ai envie de dire que ça a vraiment tout changé de découvrir ça, puisque ça permet justement voilà, d'assumer qui on est, d'oser être soi, et parce que c'est pas simple hein, de toute façon. Ouais. Donc voilà, et ça m'a permis en fait de faire le lien entre toutes mes passions, toutes mes compétences, parce qu'il y a toujours. Je pense que les zèbres aussi ont cette caractéristique du syndrome de l'imposteur. Ouais. Qu'est-ce Et que c'est ça, dis donc? c'est de